Bonjour les amis, nous sommes à Verviers. Oui, on est venu jusqu'ici. Laurent nous a appelé, nous dit voilà, moi je commence à bosser dans un nouveau concessionnaire, donc j'aimerais que vous passiez. Alors évidemment, on allait passer pour venir voir Laurent parce qu'on l'aime, mais en plus, il nous a proposé d'essayer une nouveauté, enfin un truc qu'on n'avait pas encore testé. Donc, ben, vous le savez, pour l'instant, je roule en Super Adventure. Trail hyper sophistiqué, bardé d'électronique, etc. Justement, on a eu l'occasion aussi de déposer nos fesses sur la Vestrom, hein, la 1050, Suzuki qu'on connaît depuis des années. Et nous sommes venus essayer une moto Morini. Et alors, j'ai pris le papier avec Xscape 650. Alors, c'est sur une base de moteur Kawa. Kawa, évidemment. Un peu comme sur la CF Moto, donc Kawa ancienne génération. Donc c'est le 650 qui développe une soixantaine de chevaux. On a été faire, là vraiment on était roulé avec, on était faire une chouette petite balade, sympathique. Évidemment, avantage de l'inconvénient, on a reçu effectivement une moto qui était en rodage. Donc on était très sage, le moteur répond vraiment très très bien. C'était une moto vraiment agréable. Et je trouve que une fois de plus, ben, Moto Morini nous propose un look à l'italienne. Évidemment, ne m'incendiez pas directement, il est évident que c'est une moto complètement chinoise, on est bien d'accord. Mais à côté de cela, qui encore à l'heure actuelle peut se targuer de faire la totalité de ses motos soi-même? Ici, pour le coup, bah, c'est vraiment une moto tout à fait chinoise. Alors, on a, outre ce côté, ce look un peu Africa Twin, surtout dans ces couleurs-là, en rouge, blanc et noir, ben, on a une moto qui en donne pour son argent, puisque vous avez ce tableau de bord, très sympa, avec la petite présentation Moto Morini. Vous savez que les Chinois adorent ces petits concepts d'écran TFT qui vous proposent des trucs très sympas. Donc, tableau de bord, des informations importantes. Donc, le contour, la vitesse, l'essence et la température d'huile. Donc c'est une moto qui a 285 km. Vous voyez qu'on a été très sage et très très raisonnable. Alors on va évidemment rentrer dans les settings. Alors ici ils ont quand même été, vous savez, vous l'avez vu sur les ondes test, vous aviez le choix entre le chinois ou l'anglais. Ici on a quand même rajouté l'italien, parce que comme c'est une moto un peu italienne, donc n'essayez pas d'avoir le tableau de bord ou l'ordinateur de bord en français, vous l'avez en anglais, en italien ou en chinois. Dans tout ce que vous avez, dans toutes les petites infos que vous pouvez retrouver, vous pouvez changer, vous pouvez avoir deux interphones, enfin connecter les deux interphones, les différents displays, etc. Tout le système, donc language, units et time, donc c'est touche pas à sa petite con puisque ça ne sert à rien. Et dans le bike, donc je recule. Back, voilà. Et ici, vous avez également la possibilité de changer le ride en. Oh, j'avais réussi à le faire tout à l'heure. 7. Ben oui, c'est dans le 7, imbécile. Voilà, on retourne et dans le 7. Je baisse avec les flèches. Voilà, voilà. Le off-road, merci Gilles, c'était difficile. Donc, off-road qui a une petite. Donc, c'est un genre de. Ça change un petit peu le comportement moteur, qui est un petit peu plus coupleux. Il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas d'anti-wheeling, il y a simplement un ABS et c'est tout. Mais en fait, lorsque vous passez en off-road, ben la moto réagit d'une manière plus souple. Alors au niveau souplesse, clairement, les suspensions sont vraiment extrêmement souples. La position est très, très confortable. Vous avez la possibilité de vraiment de rouler dans des chemins un petit peu tout-terrain. Maintenant, on va dire que ce n'est pas une vraie tout-terrain. Donc, il y a la possibilité de régler les suspensions. Mais donc, effectivement, ce que je disais dans le côté tout à fait tout-terrain, donc on n'est pas sur le concept d'une Ténéré 700 qui est vraiment une moto tout-terrain, puisqu'ici, vous avez déjà simplement la ligne de peau, la sortie de peau qui est assez basse. Et vous avez pas mal de choses qui peuvent être abîmées si vous sortez vraiment en off-road. Bah, tout simplement, vous avez l'avant, donc vous avez un petit sabot latéral, mais il n'y a pas de sabot moteur sous la moto. Et puis, vous avez pas mal de petites choses comme ceci, tous les capteurs d'ABS, etc., qui peuvent être abîmés si vous sortez vraiment en off-road et vous commencez à taper dans les cailloux, etc. Donc, c'est une moto avec un look un peu off-road, mais c'est plutôt,
on va considérer un trail routier. Alors autre chose, donc bulle réglable, ici elle est en position haute, vous avez la possibilité de la descendre un tout petit peu. Un tour, ça suffit? Oui. Oui. Hop, voilà. Tac. Donc, bah, vous voyez, ça change un petit peu le look. Franchement, la protection est très agréable. Une chose, par contre, c'est vrai, on l'a mis, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, très, très belle signature de phare. Ça, ce sont les feux de jour. Faites juste attention à une chose, parce que j'ai la même chose sur mon Peugeot. C'est que pour passer en plein phare, ça ne se passe pas tout seul. Il faut, tac, passer ici en plein phare. Donc, lorsque vous roulez, de nuit, n'oubliez pas de passer en plein phare. Bon, là, il n'est pas encore... Mais la signature lumineuse est vraiment très, très belle. Pour le reste, ce que vous avez sous la main, enfin, sous les yeux, vraiment, ce tableau de bord est très, très sympa. Et la dernière chose, évidemment, importante, il faut savoir que cette moto est proposée telle qu'elle. On a le prix dessus. 8 199 €. Donc, c'est vrai que je trouve que, voilà, on en a quand même pour son argent. C'est une chouette petite bécane. Bien entendu, on me le dit assez régulièrement sur les vidéos, on ne sait pas comment vont vieillir ces chinoises. On ne connaît pas leur prix de vente après quelques kilomètres. Mais comme c'est, voilà, c'est une moto qui est quand même, qui est équipée d'une mécanique, qui a déjà quelques années. Donc, ce sont des mécaniques qui sont plutôt fiables. Il y a assez peu d'électronique dessus, donc normalement c'est une moto qui va bien vieillir, croyez-moi. Maintenant on va se retrouver pour l'embarquer, parce que, ah, une dernière chose, Gilles elle me fait... Elle est disponible en A2. Elle est disponible en A2, tout à fait. 60 chevaux d'origine, et il y a la possibilité de la mettre en 35 kW, donc en 48 chevaux, un truc comme ça. Je vais monter dessus, mais après, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, je vais donner le papier à mon assistante. Oh, l'assistante. Et je monte dessus, effectivement. Donc, vous allez voir que, voilà, on est, la position est vraiment super agréable. On peut vraiment, vraiment faire des bornes parce que, on est super bien installé. Je vous dis, la protection est nickel, rétrovision impeccable. Donc, bon, maintenant, on va arrêter de parler, on va les rouler. Et le passager? Et le passager, on va prendre le passager avec. Mais non, le passager, il est déjà en train de tenir. Allez, viens le passager. Voilà, mais je pense que visiblement le passager il va être super bien installé. Est-ce que c'est une moto pour aller à deux? Ben c'est une moto à deux déjà. Hein. Oui, c'est ça. Oui, allez, vas-y. Hop. Alors là en même temps, Sarah vous montre la technique pour monter. Ouais, tout à fait. Oui, tranquille. Et très hein, sympa, non? Oui, oui, oui. Bon, t'es parti? Ouais, ben évidemment. C'est parti, mon kiki. On s'en fout, on est hosté de son par son casque. Ciao! Écoute, voilà les amis, donc pour la re-suite, puisqu'on ne saura jamais laquelle de ces vidéos on va garder, parce que vu que les routes sont très sympathiques dans le coin, mais pas mal défoncées, alors justement, moi avec la moto Morini, ça ne me dérange absolument pas, parce que c'est un trail, et que la moto passe sans aucun souci dans tous ces petits trous, toutes ces petites bosses. Bah, effectivement, le problème c'est que la GoPro, elle est sur la moto de Gilles, qui est une CB. Une CB1000 avec des suspensions un petit peu plus dures, donc avec le poids du micro Bluetooth, la GoPro a tendance un petit peu à partir en arrière. Donc j'ai devant moi cet écran TFT qui est vraiment très très beau. Vous avez vu aussi la signature de phare que vous avez juste devant vous, qui est très belle aussi. Voilà, je trouve que Moto Morini pour 1199 € vous propose quand même du beau matos. La moto a une très très belle ligne. Alors c'est un trail qui fait un petit peu, qui peut un petit peu faire semblant d'être un trail routier, d'être un trail tout chemin, mais je crois qu'on est plutôt sur l'idée d'un trail routier, clairement, parce que je vous dis, avec ce pot d'échappement en position haute, en position basse, et c'est pas la moto. C'est une moto qui est appelée à pouvoir sortir une fois de temps en temps dans un petit chemin, mais bon, sans plus. Alors vous le voyez, je suis vraiment en train de suivre Gilles sur ces petites routes. La moto permet vraiment de prendre énormément d'angles. Tout ce qu'on a, et sous les yeux, et sous les pieds, et dans les mains aussi,
est vraiment parfait, c'est-à-dire que vous aurez vraiment une boîte de vitesse qui fonctionne extrêmement bien. Il n'y a pas de Q-shifter, bien entendu, c'est une boîte de vitesse à l'ancienne. Les leviers sont réglables, levier de frein avant et levier d'embrayage sont réglables. Et la boîte est vraiment d'une douceur assez exceptionnelle. C'est vraiment très très agréable à utiliser. Il y a beaucoup de couples, donc d'autant plus qu'aujourd'hui on a vraiment utilisé cette moto comme elle est en rodage, on l'a vraiment utilisée sur le couple, donc sans jamais vraiment tirer dedans. Voilà, clairement le moteur en propose vraiment beaucoup à bas régime. Alors si je me rappelle de l'essai de la CF moto la 650, ben effectivement c'était un moteur qui n'avait pas beaucoup d'intérêt à être utilisé au régime. C'est vraiment un moteur qui délivre vraiment toute sa puissance et tout le côté agréable et onctueux du moteur à moyen et à mi-régime. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec moyen et mi-régime, mais bon. Pour le reste, vous l'avez vu aussi avec Sarah qui est venue tester la place passager. Dans les deux cas, on a vraiment le passager sera extrêmement bien installé. Alors, donc on va se retrouver pour la suite des événements, puisque cette semaine-ci, on va tester la GSX 950, on va tester la KTM Super Adventure avec la suspension adaptative que j'ai depuis déjà hier, avec laquelle je prends énormément de plaisir. C'est vrai que c'est une moto qui tient extrêmement bien la route et qui vous amène c'est un trail, enfin je ne vais pas vous donner déjà tous les détails du truc, mais c'est vraiment un trail tellement agréable où on se retrouve pour une fois face à une moto que l'on va pouvoir enfin comparer à une GS. Allez, on se retrouve bientôt les amis. Encore merci à Laurent pour le prêt, enfin merci à Laurent et merci au Garage Universel d'avoir prêté cette moto Morini. Et je vous fais un au revoir de tout en haut, parce qu'une fois de plus, la GoPro est remontée. Ah oui, et Gilles, il va. Mais franchement, c'est vraiment à la fin. Donc j'espère, enfin tu regarderas, j'espère qu'on... Ouais, elle est tout à fait remontée. Ah, tout à fait. Et donc vous nous voyez en train de discuter avec Gilles, parce que je ne sais pas, alors déjà que Gilles passe la moitié de sa vie à faire des montages, et là il va encore devoir faire plus de montages, parce que vraiment la GoPro a décidé aujourd'hui de nous merder tout le bazar, parce qu'elle n'arrête pas de remonter. Donc vous allez avoir chaque fois peut-être des vidéos un petit peu en montée. Alors sachez que voilà, on essaie de vous faire au niveau qualitatif le meilleur niveau que l'on puisse faire, mais bon, nous sommes tous de joyeux bénévoles. Alors bien entendu, tout le monde est bien d'accord pour dire qu'on a énormément de chance de pouvoir rouler avec des motos pareilles, certes, mais c'est énormément de travail. C'est vrai que de temps en temps, les vidéos ne sont pas dingues. Enfin, les vidéos sont toujours dingues au niveau des images, mais de temps en temps, on a des petits aléas, comme maintenant, de se retrouver avec la caméra qui bouge toute seule. Hein. Bon. J'espère que vous... Ouais, j'ai une caméra 3.6 dans le dos. Donc, vous voyez, quand on essaye... On a quand même travaillé avec des drones, on travaille avec des bras motorisés, avec la GoPro qui vient encore de remonter, avec la 3.6 dans le dos. Et je sais, tiens, entre parenthèses, tant qu'on est entre nous, je sais qu'il y a un importateur à Jambou qui m'a parlé de tes vidéos 360, qu'il apprécie beaucoup. Et alors, vraiment le truc où il nous dit, on dirait des professionnels. Ça fait plaisir pour Gilles qui se casse le cul à foutre des perches un peu partout sur les bécanes pour vous faire de belles images. Et bien donc, sachez que, enfin, même Gilles, j'en avais pas encore parlé, mais sache Gilles que les importateurs te félicitent pour la qualité des images. Donc voilà, bravo Gilles. Bravo! Allez, on revient chez Universel. Oh là là. Ouais, mais c'est ça. Rate pas le truc. Hein.